Je ne comprends absolument pas pourquoi tu continues à dessiner tes croquis de robes là. Et tu n'as plus 10 ans, il faut passer à autre chose. Je t'ai inscrit à une grande université. Super histoire, maman, mais moi j'adore dessiner et je veux devenir styliste plus tard. C'est pas des dessins d'enfants de 10 ans que je fais, c'est des dessins avec de magnifiques robes pour plus tard pour mes défilés. Ma petite chérie, être styliste, c'est un peu comme être chanteuse, actrice. Ça ne marche pas comme ça. Il y a très très peu de place pour très peu de personnes. Et même si tu es très douée, je suppose qu'il y a aussi énormément de personnes douées comme toi. Et franchement, il faut que tu mises sur des bonnes études. Écoute, je t'ai payé déjà ces études, il faut que tu y ailles. C'est super de ta part, c'est... Franchement, je suis hyper contente que tu te soucies de mon avenir. Mais ce sera encore mieux si tu pouvais me supporter me soutenir dans ce que je veux faire plus tard. Tu veux pas me laisser au moins une chance que je puisse faire ça? Je suis navrée, chérie, mais je ne vais pas te laisser gâcher ta vie pour des bêtises, hein. On manquerait plus que demain tu vas devenir youtubeuse, hein. Oh non, 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 hein. J'avoue, youtubeuse, ce serait génial aussi, mais j'ai que 3 abonnés et je fais des tutoriels de croquis de dessin pour faire de jolies robes. Mais non, moi ce que je veux pas être youtubeuse, moi je veux être styliste et je veux aller dans une grande école. D'ailleurs, maman, regarde, t'as vu, je me suis inscrite à une formation. Je fais une formation de styliste et après je pourrais intégrer une grande école de couture et de style. J'adore ça, maman. Ah non, hein, ma fille, moi, je ne suis pas d'accord du tout. C'est pas pour toi, ça. Il faut que tu aies un avenir, tu comprends? Venant de toi, quand même, hein, je veux pas dire, mais tu t'es quand même mariée avec papa pour son argent, hein, et là, tu restes à la baraque toute la journée, t'as pas de carrière, t'as rien du tout, et tu glandes dans ton jacuzzi. Oh! Mais je ne te permets pas, jeune fille, je suis ta mère. Ok, mais s'il te plaît, est-ce que tu peux arrêter de projeter tes envies sur moi? Je ne suis pas toi. J'ai envie de devenir styliste. Je ne veux pas devenir médecin, chirurgien ou je ne sais quoi. Bon, de toute manière, je vais être en retard à l'école, je m'en vais. Oh. Et quoi encore? Quelle indécence! Salut Caro! Ah tiens, Bella, t'es là. Salut. Ah bah tiens, il y a Henri, je vais m'asseoir. Salut Caro, est-ce qu'on peut se parler 2 minutes dans le couloir avant que le cours y commence? Ouais, bien sûr, mais vite, hein, ça va bientôt commencer. Non. Je voulais avoir une discussion assez sérieuse avec toi. Ah ouais. Quand on commence une phrase par discussion sérieuse, ça me plaît pas tant que ça, mais vas-y, dis-moi, je t'écoute. Comme tu le sais, je suis quand même le garçon le plus populaire de cette école, de cet établissement, et t'es ma copine. Le problème, c'est que des fois, il y a des gens, ils se demandent si on n'a pas rompu ou quoi que ce soit, parce que tu passes tellement peu de temps avec moi qu'il y a des personnes qui pensent que je suis célibataire, et je trouve pas ça normal. Attends, t'es vraiment en train de me dire qu'il y a des gens qui pensent que t'es célibataire alors qu'on sort ensemble? Enfin, à la limite, je pense qu'on s'en fout un peu, non? De toute façon, l'histoire qu'on a entre nous, bah justement, elle est qu'entre nous. Je vois pas pourquoi il y a d'autres personnes qui s'en mêleraient. D'accord, mais moi j'ai quand même une réputation à tenir, donc j'aimerais qu'on passe plus de temps ensemble. Dit comme ça, j'ai plus l'impression que t'exiges que tu demandes là, mais j'ai envie de te dire, on est des lycéens, enfin. Je sais pas, t'as pas d'autre chose à faire que de passer tout le temps ton temps avec moi. Enfin, attends, ne le méprends pas, c'est super de passer du temps avec toi. On s'amuse bien, on rigole beaucoup, avec ta bande de potes et tout, avec ma pote Bella, tout se passe très bien. Mais à un moment donné, moi j'ai une vie à côté, tu sais, je sais pas si t'es au courant, mais je vais devenir styliste et je suis en train de suivre une formation en ligne en plus des cours que je suis ici. Et en plus de ça, je vends des créations pour pouvoir me payer mes études universitaires de couturière plus tard. C'est pas que je t'aime pas et je t'aime beaucoup, mais là, c'est pas possible. Ouais, tu préfères passer ton temps à faire tes dessins de merde là et de faire de la couture. On est en 2022. Plus personne ne fait de la couture. On achète tous en Chine nos vêtements. Pourquoi tu veux faire de la couture? Quoi? Mais alors là, tu vas retirer tes mots, petit bonhomme. Non, je ne retirerai pas mes mots puisque c'est la vérité. Ouvre les yeux et maintenant, si tu veux rester avec moi, eh ben il faut que tu passes plus de temps avec moi et puis c'est tout, c'est comme ça que ça marche. Tu sais quoi? T'es qu'un crétin. Et puisque c'est comme ça, je préfère ne plus qu'on soit ensemble. Qu-qu-quoi? Tu préfères me quitter que d'arrêter tes...
tes dessins, là ? Bah, écoute, ouais, je veux dire, c'est bon, hein, on a 17 ans, on a toute notre vie devant nous. Si t'es pas capable d'accepter que j'ai décidé d'avoir une carrière là-dedans, eh ben, tant pis pour toi, c'est que tu m'aimes pas assez. Je rectifie. Ce n'est pas toi qui m'as quitté, c'est moi qui te largue parce que t'es une incapable et parce que je ne t'aime plus. Voilà, donc maintenant, je veux plus jamais te revoir. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils ont, les gens, aujourd'hui ? Ils veulent vraiment que je passe une mauvaise journée ? C'est incroyable. Bon, allez, on retourne en cours. Je vais essayer d'éviter de le regarder. Et puis, c'est pas grave, j'aurai plus de temps pour faire mes dessins. Mais non, c'est trop bien ! Il y a la nouvelle collection de Nina qui sort aujourd'hui. Je vais pouvoir trop m'inspirer pour mes créations. C'est génial. Chérie, tu vas être en retard pour aller à l'école. Ton bus va bientôt passer. Dépêche-toi. Je t'ai laissé le petit déjeuner sur la table. Tu te sers, hein? Oupsie, j'ai oublié qu'aujourd'hui je commençais plus tôt. Vite. Tu vas faire quoi entre midi? Tu veux venir avec moi et les copines à la bibliothèque? On va voir pour l'exposé que monsieur Dufroin nous a demandé de faire. Ah, l'exposé? Non, t'inquiète, moi je l'ai déjà fini. J'ai décidé de faire ça sur justement le stylisme et tout, vu que c'est vraiment un sujet que je suis trop forte dedans. Donc moi l'exposé c'est bon, je l'ai déjà bouclé. Mais merci de la proposition. Là je vais aller chercher mes croquis de dessin et tout dans ma table... dans la classe et je vais aller continuer un petit peu à dessiner parce qu'il y avait un croquis que j'avais trop hâte de finir et je voulais le coudre ce soir pour après le revendre sur un site pour pouvoir payer mes études. D'accord, mais si tu changes d'avis, tu sais où est-ce que tu peux nous trouver. À plus tard. Je vais peut-être attendre d'abord que Henri y passe parce que j'ai pas envie de le croiser. À côté de moi. Oh quoi, même pas, il me dit bonjour. Ah, j'aurais dû m'en douter, c'est sûr, c'est Henri qui s'est vengé là sur mes croquis. Il sait très bien que je les mets tout le temps ici. Oh, ça veut dire que je vais devoir tout redessiner. Oh non. Bon, c'est pas grave, il me reste au moins un croquis à la maison que j'ai pas encore fait et puis... Et puis là, j'ai un petit peu de temps. Bah, au pire, je vais rester ici, et puis je vais recommencer à en redessiner, ou je vais essayer d'assembler les petits morceaux. Ouais, je vais essayer de recoller les petits morceaux les uns avec les autres, avec du scotch. Peut-être avec un peu de chance, je vais pouvoir attraper ça, je sais pas. Oh, ça va me prendre toute ma pause, et encore, je n'aurais certainement pas fini. Cette journée a été épuisante, je viens à peine de finir de redessiner les croquis et d'avoir cousu ma petite robe. Bon, au moins je l'ai mis en vente. On verra bien. Allez, on regarde un petit peu la télé, ça me changera les idées. Quoi? La télé? Non, certainement pas, jeune fille. Je viens de recevoir ton bulletin de notes et c'est une catastrophe. Mais qu'est-ce que tu as fait? Maman, s'il te plaît, j'ai mal au crâne, pas aujourd'hui. Je t'ai déjà dit que l'école, c'était pas mon truc. Moi, c'était plus le dessin, les travaux manuels, ce genre de choses. C'est normal, j'ai des mauvaises notes. Je n'arrive pas à me concentrer en cours. Ah non, ça, c'est pas mon problème. Tu vas apprendre en cours, tu es punie. Voilà, tu es punie, tu... J'ai puni de télé, éteins-moi ça. Ah, si tu veux maman, de toute façon, je suis fatiguée, je vais aller me coucher, donc si tu peux me laisser tranquille, ce serait cool. D'accord, mais on en reparlera demain, j'en ai pas fini avec toi. Sache que je ne suis pas du tout contente, et que même si tu ne m'écoutes pas pour les études, je veux au moins que tu ramènes des bonnes notes. Allez, bonne nuit, hein. Allez, bonne nuit maman, hein. Me poser un petit peu là, j'ai mal au crâne. Il me faut un doliprane, mais c'est la pénurie de doliprane. Oh. It's a happy day, it's a happy day, yeah. Et Sébastien, ma fille, je te sens bien heureuse ce matin, comparé à hier soir où c'était une catastrophe, hein. Ouais, déjà désolée pour hier, c'est vrai que j'ai été vraiment d'une humeur massacrante. Mais bon, j'ai eu une très mauvaise journée.
Mais ce matin, je suis contente, je me suis réveillée, je suis allée sur mon site de vente en ligne. Et sache-le bien fort que j'ai vendu plein de vêtements. Je sais pas ce qui s'est passé, je crois qu'il y a une influenceuse qui a parlé de mon site en story après avoir fait une commande. Et du coup, j'ai tout vendu. Il y a tout qui a été vendu. Du coup, ce soir, quand je rentre du travail de l'école, eh bien, je vais expédier toutes les commandes. Comme ça, je vais toutes les valider, je vais tout expédier, je vais tout encaisser et je vais pouvoir enfin réserver ma place à l'université de mode. Trop heureuse. Oh waouh, je suis super fière de toi, ma fille. Eh bien, dis donc, je commence à changer d'avis par rapport à ta carrière professionnelle. Ça peut être finalement une bonne idée, hein? Bah, continue comme ça, c'est très bien, je suis fière de toi. Oh mon Dieu, maman, t'es fière de moi? Eh bah, dis donc, jamais j'aurais cru entendre ça de ta part, surtout par rapport à mon envie de devenir styliste. Bon, en tout cas, je te remercie. Bon, j'ai pas trop le temps de prendre le petit-déj parce que j'étais tellement contente devant le site, je suis restée au moins 10 minutes à regarder si c'était réel, et c'est réel. Mais du coup, je vais être en retard à l'école. À plus tard, maman. Bisous, bisous. Ah oui, et un jour, ce serait bien que tu m'emmènes en voiture à l'école. J'en ai marre de marcher, hein. Et oh là là. Bon, j'ai envie de me faire déposer à l'école. Hein. Oh. Waouh, mais c'est génial. T'as vendu tout ce que tu as fait ces derniers temps. Mais ah, t'as dû devenir méga riche. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux aller à ton université de mode? C'est exact. Sur mon site de vente en ligne, ma boutique en ligne, j'ai tout vendu. Et en plus de pouvoir payer l'université de mode, eh ben, ça me fait un petit peu d'argent de côté. Comme ça, si je continue et que le site continue à cartonner, eh ben, je pourrais même partir de chez ma mère et prendre un petit studio à côté de l'université. Comme ça, j'aime bien ma mère et tout, hein, je l'aime et tout, mais elle est un peu chiante, donc voilà, comme ça, au moins, elle pourra pas me faire chier pour mes cours de 6, même si elle a un peu changé d'avis ce matin, j'ai été choquée d'ailleurs. franchement, c'est génial, ma vie de rêve, là, ma vie de rêve. Waouh, j'en deviendrais presque jalouse si c'était pas quelque chose qui me passionnerait, quoi. En tout cas, je te félicite, hein. Il est temps de commencer à préparer les commandes à envoyer. Alors, on commence par quoi et pour qui? Je crois qu'il y a un petit bug sur mon site. Ça met toutes les commandes qui ont été annulées. Je comprends pas pourquoi. Je vais checker ça. Hein. Non, je vais checker ça. Il y a un problème là. Il y a un problème. Je vais rafraîchir la page. Allô, allô, le site, tu fonctionnes, s'il te plaît. Vas-y, s'il te plaît, là. Oh, il faut que j'envoie les commandes, là. Il est l'heure. Oh. Oh, mais c'est quoi ce bordel? J'ai tout qui a été annulé. Oh, j'ai reçu un mail d'alerte sur ma boîte mail. Quoi? Mon site s'est fait pirater et tout a été... Oh, il y a tout qui est cassé! Ah non, mais ça veut dire que toutes mes commandes sont vraiment annulées! Et du coup, je vais faire comment, moi? Je vais faire comment? Comment je vais faire, moi? J'ai déjà appelé l'université en leur disant de m'envoyer le formulaire et que j'allais leur envoyer un chèque et tout. Et là, j'ai plus rien, là. Je fais quoi? C'est encore un coup de Henri. Je vais aller le voir, je vais aller le confronter, et puis son petit cul de bourge là, il va me rembourser tout ça. Il va me payer mes études. Si c'est lui qui... c'est à cause de lui, il va me le payer très cher. Il va voir ce qu'il va voir celui-là, je vais pas le lâcher, hein. Ah, c'est toi. T'es revenu me supplier de... On se remette ensemble, c'est ça? Quoi? Mais non, pas... Ah, pfff, Berk, non, pas du tout. Ok, t'as pas besoin d'être méchante comme ça non plus, hein, c'est bon, hein. Mais qu'est-ce que tu fous alors chez moi? Ouais, désolé, j'aurais pas dû me rabaisser à ton niveau. Ce que t'as fait, c'est dégueulasse, Henri, dégueulasse. Que je sache, à la base, c'est toi qui as voulu qu'on rompe. Ok, d'accord, t'as dit à tout le monde que c'était toi qui avais rompu. Y a pas de souci, en vrai, je m'en fous un peu. Mais je comprends pas pourquoi t'as hacké mon site et t'as détruit mes croquis. Ça se fait pas, c'est pas cool. Tu t'essaies de détruire ma carrière, tout ça parce que j'ai voulu qu'on soit plus ensemble. Mais de quoi tu parles? Quel site? Quel croquis? C'est bon, c'est pas genre, tu peux assumer ta connerie là et me dire que c'est toi qui a hacké mon site de vente en ligne, ma boutique en ligne où j'en mets vêtements, et c'est toi qui a déchiré mes croquis. Non, c'est clairement pas moi. Tu crois que j'ai que ça à faire?
que déchirer des dessins, t'as cru que j'avais 5 ans, et puis ton truc là, ton site en ligne ou je sais pas quoi, j'étais même pas au courant que t'avais un site, comment tu voulais que je te le hack? T'as pas tort sur ce point là, c'est vrai que je t'ai jamais parlé du site. D'accord, on n'est pas en très bon terme, mais au point de faire ça, c'est vraiment pas mon genre. Sache que des meufs, je peux m'en trouver une quand je veux. D'ailleurs, je fréquente déjà Stacy. Alors, voilà, c'est pas pour dire. Mais c'est pas trop mon délire de faire ce genre de bail. Ok, mais en réalité, je vois vraiment pas qui ça pourrait être d'autre à part toi. Je sais pas, peut-être à une personne dont tu en as parlé, hein? Pas à moi, en tout cas. Y avait que Bella qui était au courant pour mon site et pour les croquis. Mais elle aurait jamais pu me faire ça, c'est ma pote. Un jour, on m'a dit « Méfie-toi de tes ennemis ». Mais méfie-toi encore plus de ceux qui sont proches de toi. Henri, je suis désolée de t'avoir accusé comme ça, mais pour moi c'était tellement évident que ce soit toi. Je suis désolée. Voilà quoi, j'ai pas de mots, je sais pas quoi te dire de plus. Au pire, un petit bisou et on oublie tout. Là, franchement, tu demandes trop, hein. Allez, hein, bonne soirée, hein. Il abuse un petit peu là quand même. Heureusement que Bella, elle habite pas très loin. Je vais aller la voir. On va aller voir cette petite peste. J'espère qu'elle est chez elle. Normalement, elle devrait être là. Oh, Caro, c'est toi? Mais pourquoi tu viens si tard? Il s'est passé quelque chose? Tu veux dormir chez moi, peut-être? Bella, on est meilleures amies. Comment t'as pu me faire ça? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, comment j'ai pu... Quoi, moi, faire de... quoi? Pas la peine de me mentir. Je sais que c'est toi. Pour mon site internet et mes croquis. Parce que pour les croquis, t'étais la seule au courant qu'ils étaient dans ma table, hein, de l'école. Et pour le site aussi, je t'en avais parlé. Et comme par hasard, le jour même, je me fais hacker mon site. Écoute, tu as gâché ma carrière. Non, j'ai pas... J'ai ton site... Non, je ne sais pas... Je sais pas qu'il y a un site, enfin, j'ai pas... Non. Et si, je suis sûre, c'est toi, t'es la seule personne qui était au courant et c'est pas gentil de ta part. Je suis... désolée, bon... Ah, ok, d'accord, c'est moi pour les croquis. C'est moi qui ai déchiré tes croquis, mais... Mais c'est ta mère qui m'a demandé de le faire. Elle m'a dit, si tu déchires ses croquis, elle ira dans la même école que toi. Et tu vois, moi, t'es ma meilleure amie. Et je suis désolée, j'ai tout de suite regretté après avoir fait ça. Vraiment. Mais par contre, je suis vraiment désolée. Hein. Mais ton site internet, je n'ai rien fait, ce n'est pas moi. Je ne sais pas, ok? Je ne sais pas pirater un site. Attends, quoi? T'es en train de me dire que c'était bien toi pour les croquis, mais pas pour mon site? Bon, pour les croquis, je te pardonne. Mais le pire, c'est mon site. Et du coup, si c'est pas toi, mais ce qu'il y a, qui d'autre ça peut être? Je comprends pas, ça peut être que toi. Je vois pas. Je ne pensais pas que t'allais me pardonner aussi facilement. T'es vraiment une bonne amie. Je referai plus jamais ça. Mais pour t'aider, je sais pas, il y a qui d'autre qui était au courant pour ton site, à part moi? Je sais pas, à part ma mère et toi, enfin, à moins que t'en aies parlé à notre groupe de potes. Moi, j'en ai parlé à personne d'autre. Je t'assure sur ma vie que je n'en ai parlé à personne. Mais tu viens de dire un truc qui m'interpelle. N'oublie pas que c'est ta mère qui m'a demandé de détruire tes croquis à la base pour que t'ailles dans la même école que moi. Et c'est aussi la personne qui est au courant pour ton site. Je suis vraiment désolée, hein, de devoir te dire ça. Mais tu devrais creuser de ce côté-là. Ma propre mère? Maintenant, ça... Ben oui, c'est logique, c'est... Mais c'est possible que ce soit elle. Oh non. C'est quoi? J'ai été bête. Mais je vais aller voir l'adresse IP, laquelle qui s'est connectée en dernier sur mon compte. Parce que c'est vrai que sur mon ordinateur à la maison, elle a directement les identifiants. Donc elle a même pas besoin de me pirater. Elle a juste à brancher l'ordinateur et à annuler toutes les commandes. C'est ma mère, je suis vraiment désolée, enfin désolée oui et non hein, quand même, hein. Tu as détruit mes croquis, hein. Mais désolée de t'avoir quand même dérangée ce soir et t'avoir accusée pour le piratage. Bon, je te laisse, j'ai quelqu'un à aller confronter. Allez, bon courage Caro!
Maman, comment t'as pu me faire ça? Tu as piraté, enfin non, du coup tu t'es juste connecté à mon compte, t'as annulé toutes les commandes. Comment tu veux que je paye ma place maintenant à l'université après ce que t'as fait? Je sais que c'est toi, parce que je suis allée sur l'ordinateur et t'es la dernière personne qui est allée sur l'ordinateur, hein. Et je le vois avec l'historique des connexions, t'es aussi noire que le carrelage dans le fond de ton âme. Mon dieu chérie, c'est tellement grave comme accusation. Tu devrais respirer. Tu vas encore jouer à ça avec moi? Avec toutes les preuves que j'ai accumulées contre toi? Même ma pote, elle m'a révélé la vérité. Tu as demandé de déchirer mes croquis. Mais tu es affreuse. Tu sais quoi? Dans 2 mois, je vais avoir 18 ans. Eh ben, je vais partir de la maison. C'est pas grave. Même si je dois vivre dans la rue, le temps de trouver un appartement, je le ferai. C'est pas grave. Et je referai des vêtements. Je vais tout refaire. Je continuerai à vendre ce que t'as annulé les commandes. Et puis, j'arriverai à me trouver un appartement. Et plus jamais, tu me reverras. Hein, ça fera comme papa. Je vais partir et tu vas être toute seule. Oh non, Caroline. Surtout pas ça. Ne m'abandonne pas. Je suis vraiment désolée. Je suis une mère affreuse. C'est juste que je ne voulais pas que tu partes loin de moi. Ton université de mode est tellement loin. Et moi, je t'aime et tu es la seule personne qui me reste. Donc, s'il te plaît, je ne le referai plus jamais. Je te paierai ton université. Tu pourras rester ici. Je te paierai tout ce que tu veux. Des voyages, des allers-retours à cette école, même si tu restes là où on me revient le week-end me voir. Je t'en supplie, je suis vraiment désolée. Oh non, maman, tu ne mets pas dans cet état. Je ne savais pas que c'était aussi pesant sur toi. Mais pourquoi t'es pas venue m'en parler? T'aurais pu venir me le dire et on aurait trouvé une solution. Mon but, c'est pas de t'abandonner en allant aussi loin à l'université. C'est juste que c'est ma passion, c'est ce que je veux devenir. Et j'aurais tellement voulu que tu me soutiennes. Oh non, maman, viens par là, on fait un câlin. Oh ma fille, je suis tellement heureuse que tu ne m'abandonnes pas. S'il te plaît, reste à la maison. D'accord, on va trouver une solution. Ne t'inquiète pas, j'irai quand même à cette université. Mais tous les week-ends, je reviendrai à la maison. Tu ne seras pas seule. Mon but, c'est pas de t'abandonner. Maman, parce que je t'aime. Je suis tellement heureuse, ma fille, que tu puisses rester. Oh, plus jamais je remettrai en question ton avenir professionnel.